La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Oui. Et ce qui me préoccupe davantage, et je suis là pour le dire haut et fort, il faut que le Togo change de régime. Bah, moi, la position du comité togolais de résistance et de tout le peuple, c'est un changement radical de régime. Il faut mobiliser le peuple, qu'est-ce qu'on fait? Je suis un démocrate, je ne suis pas là pour faire je ne sais pas quel coup d'État, je suis là pour soutenir le peuple togolais dans son effort d'émancipation. On ne peut pas être esclave sur son propre sol. Ça fait 50 ans qu'une même famille dirige. Je crois qu'il faut avoir le courage de leur dire. Ça suffit et se donner les moyens de se libérer du joug de la dictature cinquantenaire de Tieni Nyadema et de sa descendance. On n'est pas dans une république bananière. Je crois que le peuple togolais aspire à sa liberté. Et il faut donc se mobiliser en conséquence. Mingba non nyamba pas mémien babobo. Bemiliji et libération, libération, même pour nous, 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 merci beaucoup. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante contact@lagazettedutogo.com.